exploser son crâne. Putain de merde. Saloperie. Bon. Salutations, officier. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, vous allez bien, vous avez quoi de beau aujourd'hui? Rien de beau, je patrouille, hein. Et vous, il vous faut quelque chose? Et vous, Il y alors, a un problème. rien de spécial, vous protégez la ville? Ouais. Et vous avez un rêve? Un rêve? Non. Pas de rêve, vous n'avez pas de Je suis plaisir à pas habillé, accomplir? ouais. C'est vrai. Ah si, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Dites-moi, j'ai un grand rêve. dites-moi. Virer tous ces hispaniques de mon beau pays. Oula. Si vous voulez, on peut serrer la main, moi aussi, je suis contre les hispaniques. Ah putain, oh, ça, j'ai encore marché sur de la merde. Venez, serrons-nous la main. Ouais, bien sûr. Hein. Parfait. Oh putain. Hop. Vous y arrivez? Oui, oui. Voilà. J'espère que votre vœu va se faire. Oh là là. Vous savez, moi j'adore accomplir les vœux des gens. Parfait. Voici. Oula. Bon, moi je vous laisse. Saloperie de raciste. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces racistes de merde. Parfait. Bon. Et voilà. Devant tout le monde, il a exécuté une hispanique. Il se ferait juger. Et le voici devant tout le monde. Tous ses défauts mis de côté. Tout ce qu'il a fait de mal mis en avant. Ah là là. Vous allez bien, monsieur? Vous allez bien, mais. Ça, c'est mais une hispanique. Vous avez Elle pas nous a entendu parler. Vous savez que les gens ils vont porter plainte à côté. Vous avez tué une hispanique en plein milieu de la rue. Votre carrière est foutue là. Bah, elle était armée, elle m'a tiré dessus en première. Ouais, ouais, faites attention à vous quand même. Votre carrière est quand même foutue, hein, ce que je sais. Ouais. Non, non, elle est pas foutue, hein. Elle a essayé de vous tuer, monsieur, hein. Je vous ai protégé, hein. Vous, au lieu de me remercier, vous me dites ma carrière est foutue. Mais ça va pas. Je ne sais pas, monsieur, mais être raciste, c'est pas très bien dans la vie. Je suis pas raciste, je suis patriote. Parfait. Allons chercher d'autres personnes. Vous avez pas vu, serait où est pas... Venez, je vous accompagne. Vous irez un café. Venez, je vous accompagne. C'est là où je travaille. Oui. Vous allez bien, une belle journée. Oui, bonne journée, oui. Alors, vous travaillez dans un café ou vous êtes le directeur ou juste employé?
Bien employé, je suis barman. Attendez, oui. Attendez, je n'aime pas les musiques. Donc, très bien. Et vous êtes mal payé? Ou je sais pas. Ah! Un enfer, ouais. Vous êtes mal payé ou pas? Entre nous, vu que vous êtes un barman, c'est plutôt compliqué dans la vie. Est-ce que je sais, c'est payé assez bas, mais bon, ça dépend des personnes. Venez avec moi. Vous avez pas de rêve dans votre vie à réaliser? Comme tout le monde, quoi. Bah, j'essaie de meilleur, quoi. C'est quoi votre rêve? Ouais, pour l'instant, bah, comme tout le monde. Gagner de l'argent et faire sa vie. Oui, vous avez pas un rêve très charitable. Vous voulez juste... Bon, c'est un peu égoïste, mais bon. Beaucoup de gens l'ont. Bah, tout le monde veut ça, quoi. Tout le monde a le même truc. Gagner sa vie en gagnant plein d'argent. Moi, je ne souhaite pas ça, moi. Ah bon? Oui, moi je cherche. Actuellement, on pourrait dire à réaliser les rêves des gens. On va dire que je suis un porte-bonheur. Comment ça? Je porte bonheur aux gens. Vous me parlez, peut-être vous gagnez 500 000 euros demain. Vous êtes marrant, vous. Ah, vous savez, je ne rigole pas. Nous sommes arrivés au café normalement. C'est bien ici. Bon, je vous serre la main. Comme ça, je vous dis au revoir. Donnez-moi la main! Merci. Parfait. Ah, du coup, bah, merci beaucoup. Ah, attendez, vous avez pas entendu, il faut. Attends. Vu que je vous ai touché, vous devez faire ça, monsieur. Il n'y a pas compris. Ah, je sais pas comment faire. Faites juste ça, monsieur. En 3 secondes, c'est fait. Donc, une seconde. Oh putain. Non, ça fait rien. Et là, faites-le. Bougez pas votre tête et faites-le. Bougez pas votre tête. Regardez juste en face de vous et faites-le. Ah voilà. Parfait. J'espère que ce sera à vous cela favorable. Bonne journée à vous. On pourrait dire ça, ouais. Bonne journée à vous, monsieur le barman. Mais bon, est-ce qu'elle sera si bonne que ça? Je ne sais pas. Ça prend du temps avant que ça s'active. Il devrait sûrement réfléchir à ce qu'il fait. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il est en mort cérébral. Hein. Le vœu n'a pas été exaucé déjà. Ça m'étonnerait que ça a marché. Ça m'étonnerait bien. Et le voilà mort. Vous savez, la cupidité est une mauvaise chose. Entre nous, il faut jamais être cupide. Réaliser des rêves, c'est mon souhait. Réaliser des rêves à quelqu'un de bien. Si quelqu'un veut juste devenir riche, il deviendra comme Pierre. Bonne chance à lui. Il faut essayer de survivre, même s'il est déjà mort. Vous avez jamais aimé les gosses? Non. Non, jamais. Et vous avez pas de rêve dans votre vie? Des conneries, les gosses. À ce que je vois, vous avez l'air de vouloir exterminer des gosses. Oh, les gosses, c'est pas mon problème. Tout ce que je veux, c'est vivre une vie tranquille. C'est vrai, vous voulez vivre une vie tranquille. Encore la vardise comme rêve. Vous voulez, on va dire... Oh, comment ça? Bah, vous voulez une maison, de l'argent, vous êtes avare. Oh, de ce point de vue-là, je veux bien, je vous l'accorde. De ce point de vue-là, ouais. Ah, vous savez, entre avares, est-ce qu'on peut se serrer la main entre avares? Oh, allez, avec plaisir. Allez-y. Parfait. On a les mêmes ambitions. Oula! J'espère que votre rêve va se réaliser. Oh, qu'est-ce donc que ceci? Ce n'est rien. Ça s'active tout seul, juste je suis obligé de le faire pour éviter que ça se fait au hasard. Mais, j'espère que votre vœu va se réaliser, monsieur. Mais bon, vous savez, la vardise, c'est assez rare de nos jours, mais
Mais bon, c'est un vœu comme un autre. Alors, je rêve d'être puissant. Vous faites quoi? De quoi? Oh, ça a fonctionné? Vous avez pensé à quoi? C'est quoi votre rêve? À devenir puissant, invincible, que personne ne se met en travers de la foudre. Ah bah vous êtes pas ma cible, hein, vous avez quoi? Madame, monsieur, je veux devenir fort comme vous. Je ne suis pas fort. Hein, bah, comme vous. Ah, mais vous grintez dans l'or. Bah, faut aller à l'école pour ça. Bon, ça a raté, c'est pas normal. Non, l'école, c'est nul. C'est pas normal du tout, ça a raté. Moi, c'est intelligent. Et gardez deux... Arrêtez de mentir, c'est parce qu'il est hispanique. Non. Je vous ai dit, un hispanique qui mange une glace, vous serez quand même venu. Non. Vous mentez. À part s'il est salvadorien. Ils vous ont fait quoi, les salvadoriens, comme vous dites? Ils ont volé ma femme. Bah votre femme, elle devait passer partout alors. Oui, c'est ça le problème. Normalement, il est à l'échelle là-bas, il s'est caché à l'échelle parce qu'ils étaient 10. Oh, j'ai compris. Vous aimez bien mon travail, vous allez m'offrir une voiture. Ah, mais merci. Non, mais je sais pas, c'est là-bas. Non, mais vous êtes complètement fou en fait. Ah merde. Attends, mais où est-ce qu'on va là? Là. Ils sont dans l'eau, c'est ça, ils sont dans la nage. Oui, ils ont traversé le pays à la nage. Je ne vais pas nager moi. Saloperie de raciste. Retourne dans ton pays. Parfait. Saloperie de raciste. Américain, vous? Ah, vous savez, oui. C'est quoi votre souhait dans la vie? Je suis toujours curieux, moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de souhait? T'as dit quoi? Éradiquer la vermine. Ah ouais? On peut se tirer la main. Moi aussi je déteste ta gueule. Moi aussi je déteste les vermines. Pourquoi ta gueule? Moi je suis comme vous aussi. C'est pas vrai. Je tiens à le dire. Serrons-nous la main. Espérons que votre vœu se réalise, comme on peut dire. Et bon, vous savez, la varmine est assez présente de nos jours. Ça va être compliqué pour vous. Mais bon, si ça se réalise, ce sera pas mal. On l'espère tous. Non? Vous ne l'espérez pas? Ouais. Meurs. Hein, faites quoi là? Il mourra. Purifié par les flammes. Aucun d'eux n'a un vrai rêve. Pas de rêve altruiste, que des rêves égoïstes. Ça va être un possesseur de stand aussi, avec les vitesses y va. Oui, il s'arrêtera jamais de brûler. Telle est la voie de jugement. Je juge vos rêves. Et on pourrait dire, non, il juge vos rêves. Et il vous donne une réponse à vos rêves. Exterminer la vermine. La vermine est exterminée par toi-même. Tu es mort. Tu mourras brûlé par les flammes. Il n'y a pas de question à cela. Juste une réponse. Bon. Allons-y. Altruiste ou quelqu'un de... égoïste dans votre vie? Je suis altruiste, moi, monsieur. C'est vrai. Et vous? Moi, de même. C'est, oui. Quoi, c'est quoi votre rêve, alors? C'est quoi? Ah, mon rêve... c'est d'être l'homme le plus libre du monde. Elles volent votre voiture là. Merde. Vous n'avez rien vu. Bon, c'est quoi votre rêve, monsieur? Vous êtes altruiste, mais c'est quoi votre rêve alors? D'être le meilleur militaire du monde. Ah, et pour protéger les personnes. Exactement. On peut se serrer la main alors, moi aussi je vais se protéger les personnes. Parfait. Parfait. J'espère que votre rêve va se réaliser, monsieur. Je l'espère pour vous.
mais bon. Vous savez, c'est assez rare de nos jours que les rêves se réalisent. Espérons-le. Ah là là. Peut-être vous pensez dans vos pensées. Oui. Bah qu'est-ce qui se passe hein? Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? L'avantardise d'un mauvais rêve. Altruiste mon cul. Voilà. Altruiste mon cul, ouais. Parfait. Tu as bien fait. Même moi qui décidais que c'était bénéfique, tu as décidé qu'il était quelqu'un de mauvais. Sans toi, je serais injuste.